Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Don't Be Afraid live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! David s'est réveillé tard dans la soirée et a décidé de rendre visite à son ami Tom. Tom habitait juste au côté de la rue, mais David prenait toujours un raccourci vers la cour arrière. Il se faufilait par la fenêtre de la cuisine. David ne voulait pas demander la permission à sa mère. Il savait qu'elle ne le laisserait pas sortir. Se faufilait par la fenêtre de la cuisine. Et sa mère est là. Sérieux, toi? Où es-tu, David? J'ai tué la salope, Théodore. Je l'ai étranglée à main nue. Je l'ai écartelée, je l'ai mise dans un mannequin. Je l'ai laissée au troisième étage dans la bibliothèque. Elle n'aurait pas dû essayer de fourrer son nez dans les affaires des autres, enfin. Où est-il allé? Les invités se sont déjà réunis et ils sont assis dans le salon évaluant l'intérieur. Bientôt, le moment sera venu pour organiser un grand bal. Les invités tendant sans voix et ravis. On entend, nous sommes venus pour vous amuser. Notre maître a préparé quelque chose dont il se vantera. Accomplissons nos désirs secrets jusqu'à ce que la pleine lune, la nuit, et à nous. Nous n'avons pas beaucoup de possibilités de ce type. On te voilà, mon chéri. Je commençais à m'inquiéter.
Selon F.E., l'achat peut tenir une valeur métame physique en ce qui concerne la maison 8 astrale. Astral, ce qui correspond à la plus grande et la mort et la petite constellation Scorpio. Cependant, même dans la mort, doit-on préserver l'essence de la vie, d'où l'importance de la bonne conservation de l'arche dans le cas le corps. Continue, mes amis, vers d'autres zones des pièces. Attendez-là, car bientôt la salle de bal va s'ouvrir. Regarde, tu l'as libéré une fois de plus, n'est-ce pas charmant? Quand elle ouvrit les yeux, j'ai vu la peur en elle. C'était une femme. Elle s'appelait Marie. Ce n'est qu'après un certain temps qu'elle a réalisé ce qui se passait. Puis elle a commencé à paniquer. Je l'ai calmée. Je lui ai caressé la tête. Et lorsqu'elle a enfoncé le couteau dans son cou, elle s'est immédiatement endormie. Cela lui a sûrement fait plaisir. Tout en poignardant, je lui ai donné un dernier baiser. Le baiser de la française. J'ai senti son sang dans ma bouche. C'était délicieux. Amen. Quand elle a ouvert les yeux, j'ai vu la peur en elle. C'était une femme, elle s'appelait Marie. C'est la première fois que je voulais savoir ce qu'on ressent. Quand j'ai attrapé mon premier invité, je me suis senti comme un lion au milieu de troupeaux de moutons. La victime innocente était allongée, inconsciente et sans savoir ce qui l'attendait. À chaque coupe, je ressentais une incroyable satisfaction. Je ne l'oublierai jamais. Une femme, elle se promenait avec son petit-fils et l'embrassait de temps en temps. On lui tenait la main, ne se longuant pas. Mais pour un instant, j'aimerais avoir un tel fils. Dévoué et fidèle, que je ne quitterai jamais. Je le veux. Je dois l'avoir. Thank you.
Es-tu fier de toi, David? Ta désobéissance a mené à tes parents à nos petits jeux. Pose ton sac à dos sous la chaise, éteins la bougie et entre dans cette boîte. Si tu n'entres pas dans cette boîte, je vais ruer ta grand-mère à ton grand-père. Alors tu seras tout seul, tout seul! Je n'ai pas apprécié, David. Tu as réussi à t'échapper, mais à quel prix? Tu as gâché tout le plaisir. Peut-être que la partie était trop ennuyeuse pour toi. Je vais m'assurer que tu ne rates rien des prochaines parties. N'essaie pas de me convaincre. Économise ton énergie, tu en auras besoin pour plus tard. Dors déjà, dans un peu de temps, tout sera terminé. David s'est faufilé hors de la maison pour voir son ami. Il a dû franchir la brèche dans la roche de quelques mètres seulement. Soudain, il a entendu une voix. Excuse-moi. L'étranger a tourné la tête vers David et a dit « Sais-tu où se trouve le numéro 7? » David a demandé à l'homme de le laisser passer. « Qu'est-ce qui se passe? Je viens de demander ton aide, » a dit un homme. Il fit un pas vers le garçon. David voulait s'enfuir, mais soudain quelqu'un l'a attrapé. Il sentit une piqûre dans son cou, ses yeux se fermèrent et s'évanouirent. Salut, je dis bonjour, allez. Tu ne veux pas un ballon?
clown, c'ti. Théodore, prends soin de mon petit ami. Offre-lui un peu de divertissement à ta façon. Laisse-le s'amuser un peu. Ta cachette est parfaite, même si le petit s'échappe d'une mère ou d'un autre. Je doute qu'il aille loin. Ils ne sont pas raisés où il vit. Théodore est venu m'aider. J'ai réussi à ramener le policier en vie après une ponction crânienne. Le fait de lui couper les jambes, de lui causer aucune douleur, et c'était mon intention. Je ne devrais pas trop travailler chez moi. Je suis pas sûr quoi faire. Ah, c'est lui le policier. Salut Bendy. Salut David, j'espère ne pas te déranger, mais j'ai fouillé dans ton sac à dos et j'ai pris quelques-uns de tes jouets. Peut-être que cela t'aidera dans ton exploration, ou peut-être pas. Regarde autour de toi, tu es chez mon meilleur ami, il s'appelle Théodore, et c'est un monstre très joyeux, tu sais. Il aime aussi jouer avec des garçons comme toi. Maintenant, va t'amuser. Je vais regarder.
putain. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ah ben. Putain. Le policier a coupé les jambes. C'est le fucker. J'ai fait mes débuts de... Hey tabarnak, t'es courageux. Je trouve ça assez plat, ce jeu-là, on n'a rien qu'à garder. Bon, ça va. Chut, les pauvres gars. C'est trop sombre, c'est effrayant. Putain, tout le temps là, lui!
te montrer où je joue à cache-cache. Boo. Chérie, c'est toi? Oh, vous êtes enfin chez nous. Tu m'as tellement manqué. Viens, fais-moi un bisou. Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas? Première chose que je prendrais, c'est un des couteaux. Moi. La clé du clown. Là. Le sang passant, le concepteur de jeu. Coupe de cloche qu'a lâché pendant la création. Ce putain de clown a éteint la caméra, je ne peux pas te voir. Encore une fois, il a pris quelqu'un juste pour lui. Eh bien, bonne chance, j'espère que je vais jouer à ce qu'il reste avec toi. Franklin, tu n'as pas le droit de venir ici. C'est strictement ma propriété. La mienne, ce que j'apporte ici n'est plus ta propriété. Ce n'est que la mienne. Même tes stupides gosses. Oui, parfois, j'en amène un sans ta permission. Et alors, tu ne feras rien. Et si tu essaies, je te dénoncerai à la police. Bon. Monsieur Théodore, n'oubliez pas que le devoir du concierge est de nettoyer l'école. Cela ne me dérange pas de vous occuper le sous-sol de l'école, mais s'il vous plaît, faites votre travail, directeur Johnny Warwick. Partridge. You lose. Quoi? You lose. Ok.
lose. Ok. Tic-tac, 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 tic-tac. You lose. Ok, je viens de comprendre. J'avais pas vu un autre livre. Les couleurs sont là. Non, c'est pas rapport. Il y a un livre que j'ai pas vu comme ça. Et je comprends pas. Cliquer assez vite tantôt ou quoi? Violette par en haut. Ça va être ouvert, tu vois. Ah ouais,
Christy! Rentre dans ce petit trou-là, vierge! Biologie, bla 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 bla. On dirait qu'il y avait une cage de l'autre bord. Ça a rien, cette clé-là. Petite calice de putain de chienne.
Chris, j'ai essayé les trois portes, me semble qu'ils étaient à ouvrir. Je comprends pas. Il y a juste deux portes. Tant que j'ai pogné la clé. Ah non, cette clé-là, elle ouvre ça, hostie. Non? J'espère que ces clés ouvrent la porte d'entrée de l'école. Bois, je l'avais pas vu venir. Rien. Oh tabarnak, tu veux passer là? Petite calice. I'm going to kill you.
Tabarnak, c'est quoi ça, ce petit jeu-là de fou? Es-tu là, Bandy? Sans sur le moche, sans sur tout, moi je pense. Bonjour David, je suis vraiment désolé que tu aies fallu en arriver là. Mais vous devez comprendre, Théodore, il n'obtient presque jamais ce qu'il veut. Et il voulait tellement, mais tu es à moi. Ça, c'est le début de tout. Je vois que tu te rends à tes derniers soupirs, mais nous devons jouer pour la dernière fois. Il cache son... Tu vois-tu? Il cachait son signe de soufflage, le petit fucker. Come play with me, David. Viens jouer avec moi, David. Oui, j'y vais, Lydia. Attends-moi, mon bébé. Encore quelques pas et je te laisse te reposer. Crois-moi, tu n'auras qu'à toute l'éternité pour te reposer après. C'est le temps de cimenter les murs, bien sûr. Sac, balle, poisson. Je comprends pas.
peux pas faire le... Je comprends pas. Chose à brancher. Bon, ça marche pas. Ça, c'était ça. Ouais, oui, on peut pas rien. Il court plus en plus, c'est lent là. Ok. Tu trouves la balle à cette heure ou quoi? Les astidieux qui me suivent. Du moins que ça a rajouté.
Je l'ai mis, le style de Sarado. Ah, il était sur mon dos, c'est innocent. Tu as reçu David maintenant. Pose la bougie sur l'armoire et assis-toi. Assis-toi, j'insiste! Nous revoilà, David. Toi et moi, enfin ensemble, je dois vous dire que je suis très satisfait de notre jeu. Mais c'est fini maintenant. Comme tu l'as vu, j'ai commencé à nettoyer la maison. Des briques et du mortier feront le travail. Je ne permettrai jamais à quiconque de jeter, ne serait-ce qu'un regard sous mon art. Quand j'en aurai fini avec toi, je pense que mon travail sera enfin terminé. Merci pour ça, David. Tu m'as vraiment changé, vraiment changé. Maintenant, ferme les yeux et endors-toi. Tu niaises? Oh, désolé, mon chéri, je n'ai pas pu résister. Je suis désolé, tu peux aller te coucher maintenant. Ne crains rien, je m'assurerai que tu auras la compagnie pendant que tu pourriras dans le sous-sol.
Un autre jeu terminé sur la chaîne du Caribou canadien. Tabarnak. C'était tout pour l'aventure du jeu Don't Be Afraid Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!